suis. Un élève de 5e, j'aime beaucoup le sport. Ça me fait beaucoup de bien, même si je ne suis pas le plus fort. Quand je gagne en basket, badminton, endurance. Quand les autres m'encouragent, c'est certain, ça me donne confiance. Je suis. Drôle. D'après les profs, un peu trop actif. Mais dans le sport, moi, ça aide à être compétitif. Je reste aussi disponible. J'aime vraiment les métiers. Les amis comptent sur moi, je sais les réconforter. Je suis. Petit, mais perso, ça me dérange pas. Quand je joue de la batterie ou au basket, ça ne se voit pas. Dans la vie, il y a forcément une place pour les petits. Plus qu'un problème de taille, c'est un état d'esprit. Je suis. Comme démuni et comme prise entre deux feux. J'ai beau lui dire je t'aime, je vois ta tristesse dans ses yeux. Je me sens impuissante face à ce fantôme malheureux. Dire qu'il pense sûrement je reste, c'est bien parce que c'est eux. Je suis. Une collégienne forte, émotive et courageuse. Parfois triste et en colère, je reste étrange mais joyeuse. Dans la vie, pour m'exprimer, je compose des poèmes. C'est la meilleure façon d'exprimer tous mes problèmes. Je suis. Une cavalière, un brin nerveuse, parfois râleuse. Mes souffrances, mes fêlures, j'aimais souvent en berceuse. Mais dans pas longtemps, je vais me faire opérer. Fini d'être une grande gueule, il va bien falloir gérer. Je suis. Révoltée quand mes parents disent que je suis trop petite. J'aimerais tellement montrer à tout le monde qui je suis. Que tous les frustrés arrêtent de tout mon temps me rabaisser. J'ai envie d'hurler, de crier tout fracassé. Je suis. Toujours de bonne humeur, mon sourire ne me quitte pas. Je crois que la vie à pleine dents, je suis pour rien, je suis née comme ça. C'est certain que parfois, je peux aussi lâcher des larmes. Malgré tout, je suis sensible, d'ailleurs je me livre dans ce salon. Je suis une personne joyeuse, j'aime bien rire dans la vie. Derrière ce sourire se cache parfois de la mélancolie. J'agis sans réfléchir, regrette souvent, mais trop tard, d'avoir fait du mal, faire souffrir est un cauchemar. Je suis fan de gym, depuis toute petite, c'est toute ma vie. J'adore aussi côtoyer tous les jours toutes mes amies. Ce qui parfois me met en colère, c'est quand il y a des histoires. Ce serait tellement plus simple si on arrêtait de peindre en noir. Je suis pleine de taches de rousseur, c'est pas un problème pour moi. Ça me rappelle mes origines et je suis très fière de ça. Je suis bien dans ce collège, à retrouver chaque jour mes amis. Défendre nos idéaux, rire et profiter de la vie. Je suis une fille sensible qui déteste montrer ses haines. Le jour, ça va servir, mais difficile de rester sereine. J'aimerais parfois expulser tout ce qui m'est nuisible. Mais parfois, tu ressembles bien, donc vraiment impossible. Je suis joyeux, mais énervé uniquement contre moi-même. Parfois je suis heureux, mais parfois j'ai bien la haine. Plus facile d'être un ado, avec ses émotions, cet âge. Pour gérer, je fais du sport et j'y retrouve plein de courage. Je suis au collège, parfois un peu réservé. Quand je ne connais pas, j'ai du mal à me livrer. Je suis dans l'établissement, parfois un peu triste. Mais une fois de retour chez moi, je suis un vrai artiste. Je suis une danseuse, j'aime être sur le devant de la scène. Parfois ça m'aide à me ressourcer et à canaliser ma haine. Quand les projecteurs s'éteignent, la plupart du temps c'est fini. Je retrouve mon petit brin de folie qui fait ce que je suis. Je suis transformée depuis le décès de mon arrière-grand-mère. J'ai été très triste, abattue, j'avais plus les pieds sur terre. Je ferai tout pour m'occuper de mon prochain, pour éviter ce que j'ai vécu. Occuper des autres est devenu pour moi une vraie vertu. Je suis bavarde, j'accoste toujours ma voisine, c'est sûr. Une chose est certaine, je ne fais pas dans les demi mesures quand je suis triste. Par contre, là c'est le silence. Quand on m'insulte, je ressens de la réelle souffrance. Je suis discrète, je n'aime pas me mettre en avant. Mais quand je danse devant les autres, je suis comme hors du temps. Je fais beaucoup de théâtre pour apprendre à me lâcher, m'épanouir, surprendre, mais surtout me dépasser. Je suis drôle, j'aime bien généralement faire le pitre. Je suis pour la plupart du temps toujours mort de rire. Ce qui me frappe chez mes parents, ce sont surtout leurs mains. Voyez, je ne peux m'empêcher de faire encore le malin. Je suis prof de PS, je leur propose ce projet. Certains qu'au-delà de l'école, ils peuvent tous se révéler. Leur faire prendre confiance en eux et les préparer pour l'avenir. Voir les étoiles dans leurs yeux et s'imprégner de tous leurs sourires. Je suis une engueulade. Un fou rire. Une accolade. Un soupir. Des pleurnicheries. Des sanglots. Une sœur. Un frère. Des poteaux. Une punition. Des retenues. Une évaluation. Le bahut. Je suis plusieurs histoires d'amour. Je suis encore des heures de cours. Je suis un cours d'histoire. Je suis une lueur d'espoir. Je suis un élève pas très doué, mais qui s'accroche souvent au projet. Le sport, la musique, la techno. Des cours de physique au labo. Un cours de PS. De la jeunesse à l'ivresse. Je suis énervé tous les matins, malgré les échecs, les absences, les chagrins. Je suis tournée vers l'espérance et j'oublie parfois ma souffrance. Je suis bien de ce collège, je lève petit à petit mon niveau. Et à monter toujours un petit peu plus haut, je suis Sarjo. Oh!
Bonsoir Paris. Fais gaffe, yeah. Pas ce côté-là, pas ce côté-là. Je suis. Voilà, oui. Je suis Saint-Jean. Ça va pas mieux.